Alors, il paraîtrait, à nouveau, hein, bien sûr, que si tu t'abonnes maintenant, comme ça, allez hop, sans réfléchir, tu es là, tu t'abonnes, t'es paix, et tout le monde lâche des paix, hein, pas besoin de me la faire à l'envers, hein, t'es paix, sentiront moins fort en 2020, bien sûr. On n'y croit pas, hein, ça vous fait ce que vous voulez, mais jetez-vous, hein, pour votre entourage, bien je m'abonnerai. Du lac sushi. Choisis le prochain épisode en fin de vidéo. Le mec en bas là, c'est moi. J'ai peut-être pas le profil du survivant avec ma collection de phobies et ma colopathie fonctionnelle chronique, mais j'ai l'avantage de n'avoir jamais eu d'amis ni de famille proche. Héros principal, sacrément saboté dès le départ, hein. Y a presque un arrière-coup de too much. J'ai peut-être pas le profil du survivant avec mon agoraphobie, mon incontinence et ma mauvaise haleine. Oui bon bah ça va, t'es obligé de le dire dès la première minute, ça. Je survis parce que je fais gaffe à tout et que je suis les règles. Mes règles. Oui, alors, ça peut sonner badass comme ça. Oh, faut savoir s'habituer à son environnement, c'est tout, hein. Mais en réalité, il tient simplement à un carnet de banalité, hein. Oui, bon, c'est vrai que la première est assez évidente, c'est vrai, hein. Mais il faut bien commencer quelque part. La vérité, c'est qu'on est plutôt sur un bon gecko asocial, hein, qui s'est rendu compte que le monde réel existait encore le jour où ses potes en réseau se sont plus jamais connectés. Évidemment. Non mais si en plus il est teubé, le film se transforme très vite en court-métrage, hein. Je vous ai dit qu'au départ le film devait être une série à la base. Voici le scénar. Alors au départ faut qu'on vous dise, hein, on l'avait prévu pour faire une série. Il faut se rendre à l'évidence, le personnage principal ne tiendra jamais plus d'une heure 1h27 a priori. Ça fait au plus court, hein. Ce qu'on a calculé. Coucou, je suis là en fait, hein. Et qu'on se le dise, 1h27 aurait probablement été exagéré s'il avait pas fait la rencontre d'un autre survivant. T'as l'air assis ? On fait un petit bout de chemin ensemble. Je suis pas d'un caractère très facile et je sens d'ici que t'es une vraie petite pétasse. Allez, je vous laisse regarder le film, je vous attends dehors, hein, je vous attends dehors. Je dirais que cette histoire dépassera pas la limite de l'État. C'est vrai ? Ça m'avance au moins jusqu'à Texarkana. Bah, c'est-à-dire qu'à l'échelle américaine, la limite de l'État, c'est tout de suite traverser 3 fois aller-retour la Belgique, hein, donc je peux comprendre que ça t'avance pas mal, en effet. T'es une vraie petite merde pleine d'enthousiasme. Alors, si j'étais à sa place, hein, ce que je ne suis pas, heureusement, je me poserais quand même la question si ça vaut pas mieux pour moi de continuer en solitaire. Non, parce que j'irais peut-être plus lentement, certes. Oui, parce que le gars est à pied alors qu'il trouverait la clé sur le contact de n'importe quel engin motorisé qu'il croise, hein. Mais au moins l'humiliation s'arrêterait là, hein. C'est peut-être pas mal de récupérer sa dignité avant de crever, je sais pas. Pourrait peut-être le mettre dans ton calepin, ça non ? Oh, vous savez, j'ai l'habitude, hein. Je le savais. Je voyais bien ta gueule de con que t'étais qu'une merde. Ouais, cool. Et ce petit copain qui vient de se faire, hein, qui s'appelle donc Tallahassee. Bonjour, mon nom est Tallahassee, enchanté. C'est un nom particulier. Ne survivrait apparemment que pour une seule chose, les amis. Regarde ça, c'est un bahut des boulangeries Hostess. Ouais, je vois un camion Hostess, et alors ? J'ai une envie de Twinkie. Il est obsédé par les Twinkies. Où sont ces putains de Twinkies ? Twinkie, Twinkie, Twinkie. Zéro Twinkie. Putain de merde ! Quelle déception de tomber sur un mec obsédé par un gâteau, hein. À sa place, j'aurais continué ma route en solo, c'est sûr. Je compte écumer tous les supermarchés de la ville. À commencer par la 5ème avenue, la 6ème, la 7ème, la 8ème. Allez, au revoir, hein, bonne route. Tout ça, bien sûr, après avoir visité les 4 studios porno de la ville, hein. Juste histoire de vérifier qu'il n'y a aucune victime, évidemment. Fait, maintenant que tu le dis, c'est pas mal de secourir des gens, hein. Ouais, ouais, j'aime bien. Quand on a peur de tout ce qui traîne dehors, on arrête de traîner dehors. C'était mon cas avant Zombieland. Vendredi soir, 3ème semaine d'affilée sans sortir de la maison. World of Warcraft, collection de pizza. Je vous l'avais dit, bordel, je vous l'avais dit! Toute ma vie, je n'ai rêvé que d'une chose. Rencontrer une fille, tomber amoureux d'elle, et la ramener à la maison pour la présenter à mes parents. Et vous allez voir, sa première rencontre avec une fille est plutôt cocasse. C'est bon. Merci, merci. Oh, 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 ouais, bon, bah écoute, déshabille-toi, assieds-toi, je te sers quoi, un gin, un whisky, quelque chose de bien, hein. Non, je bois pas d'alcool, désolé. Ah, mais ça tombe bien, bah justement, une bonne grosse part de baba au rhum, j'arrive, ça te fera du bien. Bon, joue-la finement, mec, s'il te plaît, d'accord, rassure-la, hein, va changer de t-shirt aussi, parce que je suis certain que le dernier boss que t'as tué dans WoW t'a pas laissé indemne, d'accord, ce sera déjà un bon début. Ça t'embête si je me repose quelques minutes. Si on fait abstraction du clochard cannibale fiévreux, je vivais un rêve. What? Est-ce le pull jaune canari ou les cheveux coiffés comme un mouton qui fait plus d'effet que prévu? Nous ne savons pas. Toujours est-il qu'au sud de la petite ceinture, un virulent embouteillage se fait sentir. Si vous voyez ce que je veux dire? Improbable. Je suis dans la peau de ce mec. J'appelle immédiatement mon voisin pour investiguer. Oui, bonjour voisin, désolé de te déranger. Dis-moi, tu m'aurais pas envoyé une travailleuse du sexe par pitié encore une fois, hein? Presque aussi improbable que la suite des événements. Le film s'arrête ici. Donc en réalité, il avait raison les gars, pas plus de 10 minutes en fait. Et voilà, exactement. Mais faisons comme s'il était tombé sur un zombie aussi nulos que lui, hein. Dur,
mais correct, je dis oui. Ce voyage permet à nos deux gugus d'apprendre à se connaître un petit peu. Hein, et pendant que l'un transpire la détresse sociale, l'autre tente de crédibiliser sa quête de Twinkies. On doit savourer les petites choses. Règle numéro 32, savourer les petites choses. En résulte, un calepin de banalité qui s'étoffe, hein, c'est le principal, voilà, c'est le principal. Ah mais il faut pas s'attendre à ce qu'il trouve l'antidote pour rétablir l'humanité, hein, c'est de là, bah non. En fait, la seule chose qui l'obsédait plus que le massacre de zombies, c'était l'envie de Twinkie. Mais cette ridicule quête du Twinkie ne pouvait visiblement pas se suffire à elle-même, non, il fallait qu'elle soit accompagnée d'un mode opératoire des plus nullos, à savoir le gaspillage d'armes de poing. King Kong. Viens par ici, mon gros. Jamais plus d'un zombie par outil, les amis. C'est important. Ça explique pourquoi il roule avec un 4x4, bien sûr. Ah bah c'est tout de suite un magasin de bricolage dans la remorque, hein. C'est pas évident à transporter. La seule chose qui me venait à l'esprit, c'était... On sait très bien ce qui vous venait à l'esprit, les gars. Essaye même pas, l'ami, t'as aucune chance. Je suis vierge, c'est Ligo, laisse-moi une chance avant de crever, là. Fallait shotgun avant, désolé. Venez vite. Allons-y. La petite s'est fait mordre. Fais comme si de rien n'était, évitons de la faire flipper. Écoute, franchement, elle en a plus pour très longtemps. Tu sais, t'es très rassurant, toi, en tout cas. Hein. C'est bien, c'est bien. On s'est déjà dit au revoir, mais on n'a pas d'armes. Bah tiens, voilà. On va prendre vos armes, les clés de la voiture, les munitions. Et si vous en avez, des chewing-gums sans sucre. La douillasse ayant brillamment fonctionné sur deux âmes avides de fesses, elles se font la malle avec leur voiture et leurs armes. Rendez-moi ma Cadillac! Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas les moyens de transport qui manquent, les gars. Regarde sur quoi on est tombé. Ah bah dis donc, eh ben ils s'emmerdent pas, hein. Et devinez ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu merci. Ah bah voilà, bah dis donc, qu'est-ce qu'il fallait demander de plus? Hein, en faisant un petit peu attention aux munitions, tu peux tenir très longtemps. Ah oui, d'accord, donc la vie est un jeu pour lui, quoi. C'est... On est quand même sur une apocalypse des plus relax, hein. C'est-à-dire que les mecs graillent à l'œil. Ça trinque à tout va. Aucun embouteillage. Les zombies les dérangent même pas, à la limite, hein. Enfin bref, c'est presque agréable, hein, si tu fais abstraction évidemment du fait qu'ils viennent de se faire couillonner une fois. Maintenant sortez du véhicule. Je crois que j'aime bien cette fille. Deux fois du coup. Vous faites chier, arrêtez ces conneries, on est pourchassés par des tarés voraces. On n'a pas assez de problèmes. On pourrait pas simplement apprendre à faire connaissance et profiter du peu qui nous reste, hein. Je suis du même avis. Mais c'est vrai à la fin là, chill man. Trop rapide c'est ça. Non. Toi par contre à côté de ma petite sœur c'est bizarre. Ouais, moi je mange pas de ce pain là, d'accord? Moi je suis plutôt pain multicéréales double cuisson si tu vois ce que je veux dire. Hein? Pas une espèce de brioche pas cuite. Ouais, je parle que de bouffer, alors ça pose un problème à quelqu'un? Maintenant qu'ils forment une jolie petite équipe unie, je pense qu'il est temps clairement d'affirmer cette version américaine de Shaun of the Dead. Et quoi de mieux de se rappeler d'où on vient, hein, en sabotant une boutique de souvenirs indiens, les gars, hein? Maintenant qu'ils se sont dégourdis un petit peu les papates. Direction l'endroit où personnellement je me serais rendu immédiatement. On dirait que tous ceux qui ont eu un rôle au cinéma habitent cette rue. À savoir les villas de stars et autres blindos. Ne me demandez pas comment on est arrivé là, d'accord, hein. Retenez juste qu'il est en train de fumer avec Bill Murray maquillé en zombie. Voilà. Mmh. On dirait pas voir ce que fait le Colombiana là. Ah les gars, attends, j'ai une idée de malade là les gars, on va se marrer de dingue. Alors Columbus c'est le flippé. Ouais. C'est un vrai petit lapin. It was at this moment that he knew he fucked up. Ça par contre, ça c'était très con. Oh mon dieu. Alors c'est comme ça qu'on salue les gens là d'où tu viens. De toute façon, j'ai envie de te dire, il était déjà zombie, hein. Débarrassé de Bill et pouvant ainsi profiter pleinement de sa demeure, il tourne la page plus vite que l'éclair et décide de profiter pleinement sans aucune pression des facilités que leur offre leur nouvelle demeure. M'oblige pas à boire toute seule. Seulement si tu m'obliges à pas dormir tout seul. Et pile au moment où Columbus pensait pouvoir enfin serrer de la gonzesse. Un coup de main pour bouger le canapé. Assez ballot, ça c'est sûr. Pour bouger le canapé, vraiment? Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Comment ça c'est mieux? Non, attends, regarde, il suffit de remettre un petit peu de musique, hein. On se remet un petit peu dans l'ambiance, on danse tranquillement. C'était quoi ça? Bon bah je vais pas te mentir, j'ai le colo irritable, voilà, c'est dit. Allez, maintenant je te laisse imaginer les dégâts qui se trouvent actuellement dans mon froc. Allez, j'y vais, bye, hein. Je peux savoir ce que t'as foutu encore? Rien de spécial, pourquoi? Croyez-le ou non, hein, mais la destination des meufs depuis le début du film,
C'est un parc d'attractions du nom de Pacific Playland, voilà, hein. Ne me demandez pas pourquoi, mais la grande sœur lui a vendu, voilà, qu'il avait aucun envie, qu'il y faisait bon vivre, hein, bah oui, pourquoi pas. Ah, il y a même l'électricité, dis donc. D'accord, donc décidément, cet apocalypse est vraiment confortable, quoi. Ah bah, c'est sûr que le parc d'attractions, ça fait un peu de bruit, hein, les enfants. Hein, peut-être un peu trop, d'ailleurs. Et là, allez savoir si c'est le fait de se retrouver dans un parc d'attractions ou d'avoir enchaîné les bouteilles de vin la veille, elle enchaîne les mauvaises prises de décision, c'est incroyable. Comme si avoir alerté la ville entière n'avait pas suffi, dis donc. Là-bas ! Vite, réduisons nos chances au plus bas, j'en ai marre de jouer les babysitters. Tire sur le boîtier de contrôle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, rien, on reste ici et on attend de mourir de faim, voilà. Quoi? Vous vous en doutez, hein, Columbus, qui était à ça de goûter au plaisir charnel, ne peut se résigner à devenir l'objet sexuel de son nouveau copain. Alors il décide d'aller solo rechercher les meufs. Ah, c'est gênant, c'est gênant. Rame dans le 4x4, Tanner mécanique. Merci. Arrivé au parc d'attractions, l'un profite complètement de son environnement pour redonner du punch à ce film. L'autre, bien évidemment, va délivrer sa dulcinée. Christa. Je suis lesbienne. Non. Et voilà les amis, c'est déjà terminé. Oui, je sais, la petite larme à l'œil est là. Allez, séchez ça, séchez ça. Comme d'habitude, si ça vous a plu, punchez le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse choisir dans les sondages le film du prochain MSF. Quant à nous, on se dit à dans 2 semaines. Ciao. See you next time. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Chocolat. Attends, t'as dit quoi?